Veut-on faire un choix excellent des plus saintes prières et méditer en même temps les principaux mystères? Le rosaire en est imprécis, c'est de trésorerie sont compris. Trésor inépuisable, puisque le ciel en est le prix, ils sont inestimables. Le rosaire est donc un moyen, et des plus efficaces, pour trouver le souverain bien et la source des grâces. On y médite les vertus, lesquelles conviennent le plus, selon chaque mystère. On les demande par Jésus, et par sa sainte mère. Il renferme 3 chapelets qui font 15 dizaines. On trouve ici 15 couplets pour les offrir sans plaire. C'est par 5 mystères joyeux et 5 mystères douloureux qu'on fait 15 demandes, y joignant les 5 glorieux, les 15 ont 15 offrandes. Toute notre religion consiste en ces mystères, mais c'est la méditation qui les rend salutaires. On les honore en général, ensuite les 15 en détail, méditant leurs merveilles. Chaque mystère est un canal de grâce non pareille. En joignant le cœur à la voix, l'esprit à la parole, on commence par la croix en disant le symbole, puis un pater et 3 avis pour adorer la Trinité dont Marie est le temple. Le rosaire ainsi récité, on y prie et contemple. Adorons dans la Trinité un Dieu seul par essence, 3 personnes dans l'unité d'une même substance. Croyons en Dieu très fermement, espérons en Dieu sûrement, car c'est notre bon Père. Aimons Dieu souverainement, c'est le seul nécessaire. Un ange du ciel descendit et salua Marie. Elle conçut du Saint-Esprit, Jésus le fruit de vie. Un Dieu prend notre humanité, l'unit à sa divinité. Une Vierge féconde, adorant tous l'humilité d'un Dieu qui vient au monde. La Vierge enceinte du Sauveur alla non sans mystère sanctifier son précurseur dans le sein de sa mère. Pratiquons donc la charité et les devoirs d'humanité à l'égard de nos frères. Inspirons-leur la sainteté, soulageons leur misère. Celui que Dieu même produit dans son sein adorable est né d'une vierge à minuit dans une pauvre étable. Ce pauvre lieu nous fait horreur, mais écoutons-y le Sauveur, qui parle en son silence. Bienheureux les pauvres de cœur, leur trésor est immense. Jésus s'offre au temple pour nous par les mains de Marie, pour calmer Dieu dans son courroux par une double hostie. Il faut pour observer la loi sacrifier tout à la fois, remplir toute justice, craindre et purifier en soi jusqu'à l'ombre du vice. Elle trouve au temple son fils après 3 jours d'absence. Parmi les docteurs tout surpris de sa haute science, cherchons donc toujours le Sauveur, comme Marie avec ferveur, pour le trouver sans cesse. Cherchons avec la même ardeur sa divine sagesse. Mère de Dieu, vous êtes notre mère. Donnez-nous votre bénédiction. Supportez-nous malgré notre misère et Jésus triste jusqu'à la mort, au jardin des olives, sua du sang par un effort, des douleurs les plus vives, pleurons sur nous-mêmes aujourd'hui, veillons et prions comme lui. Mêlons nos pleurs au ciel, nos péchés l'accablent d'ennui, n'augmentons pas ses peines. Son sang s'écoule un gros ruisseau pendant qu'on le flagelle. Sa chair s'en va tout en lambeaux, oh la douleur cruelle. Un prenom à mortifier, à punir, à crucifier, notre chair si rebelle, pour la soumettre et conserver, sans tâche criminelle. La couronne du roi des cieux est d'épines piquantes, on lui fait en bandant ses yeux mille insultes sanglantes. Ne rougissons point de la croix, souffrons comme le roi des rois, qu'on nous raille ou nous gronde, soyons bien soumis à ses lois, et méprisons le monde. Jésus portant une croix, dessus sa chair sanglante, se trouve accablé sous son poids, tant elle était pesante. Ne l'accablons pas de nouveau, en ajoutant à son fardeau quelque nouvelle offense, mais imitons ce doux agneau, sa douce patience. Jésus abandonné de tous, sous les yeux de sa mère, est enfin mort d'amour pour nous, sur la croix du calvaire. Nos péchés seuls l'ont fait souffrir, nos péchés seuls l'ont fait mourir. Versons des larmes, portons la croix sans sans charme. Mère de Dieu, vous êtes notre mère, donnez-nous votre bénédiction, supportez-nous malgré notre misère, et nous garder du monde et du démon. 3 jours après, ce Dieu très fort ressuscite avec gloire, ayant sur l'enfer et la mort une pleine victoire. Ressuscitons avec Jésus, faisons vivre en nous les vertus, et mourons à tout vice, dorénavant ne péchons plus, que tous se convertissent. Jésus-Christ monte en paradis pour préparer nos places. Ce royaume nous est acquis si nous suivons ses traces. Désirons le ciel ardemment, soupirons à chaque moment après notre patrie, et méprisons chrétiennement les biens de cette vie. Jésus rempli du Saint-Esprit, Marie et les apôtres, par eux ensuite il en remplit le cœur de plusieurs autres. Prions ce Dieu de vérité, de lumière et de sainteté, qu'il éclaire notre âme. Prions ce Dieu de charité, qu'il l'anime et l'enflamme. Marie est morte par amour, elle est ressuscitée, puis élevée au même jour jusqu'au ciel empyrée, pour mourir très heureusement et monter au ciel sûrement. Faisons-le par Marie, et la servons dévotement en imitant sa vie. Marie est couronnée aux cieux comme une souveraine. Elle veut être en ces bas lieux, sensible à notre peine. Demandons par elle à son Fils cette couronne qu'il promit à la persévérance et la gloire du paradis. Mère de Dieu, vous êtes notre mère, donnez-nous votre bénédiction, supportez-nous malgré notre misère et nous gardez